Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à votre rubrique, à votre micro-programme La Lettre Française qui part aujourd'hui de l'espace Kembo dans l'enceinte de l'Institut français. Je suis bien sûr avec Christine Dufresnoy à ma gauche. Bonjour Christine. Bonjour Dieudonné. Et Leslie Pia à ma droite. Bonjour Leslie. Bonjour Dieudonné. Alors Christine, Leslie, aujourd'hui nous allons nous étendre sur deux verbes, connaître et savoir. Oui, ça c'est dans la rubrique La Petite Faute qui vise à perfectionner le français parlé à Kinshasa. Et effectivement, la dernière fois, nous avions longuement parlé de Kozala et Kozalana qui signifient deux verbes complètement différents en français, être et avoir. Après La Petite Faute, nous passerons à notre rubrique Les Néologismes qui s'attardent plus sur l'enrichissement de la langue française par le congolais. Et pour finir, les mots d'actualité qui ont en général un lien avec l'actualité, comme le nom de la rubrique l'indique. Alors, c'est parti avec notre première rubrique, La Petite Faute. Alors, La Petite Faute revient aujourd'hui sur les verbes, enfin le verbe koyeba en français et sur les différentes traductions possibles en français. Non, je veux dire, sur Koyeba en lingala et les différentes traductions possibles en français. Alors, Leslie, est-ce que